Salut tout le monde, c'est Louis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que si vous avez cliqué vous le savez, mais je ne sais pas pourquoi je répète ça à chaque fois. Alors aujourd'hui cette vidéo ça va être une vidéo pour vous montrer des marques. Il me semble que c'est 5 marques que j'ai connues grâce à Instagram, mais que je trouve qu'ils sont pas assez connues. Je sais pas si vous me comprenez, mais je veux dire qu'ils sont pas aussi connus que Asos, H&M, Zara, tout ça, mais qui sont vachement cool. Et puis ce que j'aime bien c'est que tout le monde n'a pas ses vêtements. Il y a 4 marques que j'ai connues grâce à Instagram et une 5e que j'aime beaucoup qui est connue sur Asos. Vous savez déjà de quelle marque je veux parler, mais je vous la laisse à la fin. Ah oui, aussi dans cette vidéo c'est pas sponsorisé ou quoi, il y a pas de placement de produit. Il y a juste une marque qui m'a contacté pour si je voulais, si j'aimais la marque, faire une pub, mais je veux dire j'ai pas reçu de produit en échange, j'ai pas reçu d'argent ou quoi, mais il y a aucun placement de produit. Je le précise parce que après il y a encore des gens qui vont parler dans les commentaires des clics. Vous inquiétez pas. Donc on va commencer maintenant parce que ça fait 40 minutes que je fais une intro. Ah oui aussi bah merci pour les 12 000, on les a atteints hier je crois. Vous êtes de plus en plus sur ma chaîne depuis que je parle de vêtements, donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, on commence maintenant. Alors la première marque c'est Hood Lab. Je sais pas trop comment on dit, mais en tout cas j'ai découvert sur Instagram, j'ai découvert grâce à Harry Seeking. Je sais pas si vous connaissez ce mec, donc je mets son Instagram ici. Alors donc sur ce site les frais de port donc sont à 7 pounds, donc qui fait à peu près 10 euros parce que oui c'est un site anglais. Donc le paiement se fait par carte et par PayPal. Les t-shirts vont de 32 pounds à 50 pounds ou livres en fait, ce que vous le dites comme vous voulez. Et les sweats vont de 40 livres à 70 livres à peu près, donc ce qui fait du 80 euros. Et pour 50 livres ça doit faire 60 euros un peu moins. Donc là je vais vous présenter un t-shirt. J'aime beaucoup ce t-shirt, je le trouve vraiment beau. Alors il est original, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais moi je l'aime beaucoup. Ce t-shirt coûte 50 livres, alors je sais que c'est un peu cher. En tout cas moi je l'aime beaucoup et je le trouve vraiment original. Et t'es sûr que pas beaucoup de gens ont le même, tu vois. Alors après plus les frais de port, je sais que ça fait cher, c'est un investissement, je le sais quand même, 60 euros pour un t-shirt, voilà. Mais après j'ai pas dit que je me le prendrais, juste j'ai dit que je l'aime, mais je sais pas si je le prends. Ensuite donc c'est un sweat à capuche que j'aime beaucoup, donc en gros avec le Hood Lab en dessous de la gorge et sur les manches, donc c'est un espèce de serpent il me semble. Et ce que j'aime bien c'est que l'écriture est jaune et en plus il est oversize, il a la coupe bouffante que je veux. Il coûte 70 livres il me semble. Voilà donc ça c'est des trucs que j'aime vraiment beaucoup sur leur site. Alors il y a pas mal de trucs qui sont en rupture de stock. Je vous mets en barre d'infos et je vous mets leur Instagram aussi. Ensuite donc c'est chromosome.ltd. Les frais de port sont à 7 euros. Le paiement se fait seulement par PayPal, alors ça c'est chiant, mais au moins c'est vachement sécurisé, donc dans un sens c'est aussi bien, tu vois. Donc les t-shirts sont à 45 euros et les sweats vont de 90 euros à 130 euros. C'est aussi une marque que j'ai découvert par Instagram, mais je sais plus par qui, par le biais de qui, ou peut-être dans Explorer, je sais plus du tout. En tout cas, je trouve ça vraiment beau. Et donc là, je vais vous présenter deux pièces que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est un sweat à capuche que je trouve vachement original. Donc en gros, il y a une partie noire et une partie beige, un petit peu. C'est spécial, tu vois. Tout le monde ne peut pas aimer, je comprends. Après, il coûte 120 euros ce sweat. Je pense pas que je me le prendrai un jour. Si un jour, genre, je gagne au loto, t'as vu. Je joue pas l'auto, mais peut-être un jour je vais gagner. Là je me le prendrai, mais après je trouve que c'est un peu cher, je sais. Et en plus il y a cette coupe oversize et bouffante un peu que j'aime bien aussi, c'est important. Ensuite, t'as reconnu la blague. Ensuite donc c'est un sweat à capuche vert que j'aime beaucoup aussi, avec les écritures blanches sur les manches et en dessous de la gorge. Celui-là il coûte 90 euros, donc c'est un peu moins cher, mais c'est quand même cher. La couleur là, le vert, et il est vraiment beaucoup. J'attends un peu de voir, de faire des tours sur Asos, H&M, tout ça, pour voir si avant il y a pas un sweat vert que j'aime aussi qui est un peu moins cher. Puisque t'as vu, il n'y a pas le budget limité, tu vois. Encore une fois, je vous mets leur site en barre d'infos et leur Instagram. Ensuite, donc c'est Overdose Paris que j'ai aussi découvert sur Instagram. Donc les frais de port sont aussi à 7 euros. Le paiement se fait par carte et par PayPal. Les t-shirts sont à 39 euros et les sweats vont de 65 euros à 79 euros. Le fait que cette marque soit originale, c'est surtout les écritures qu'il y a donc sur la capuche et sur les manches, ils sont réfléchissants. C'est-à-dire, tu vois, quand tu mets le flash, ils réfléchissent, ils s'allument. Donc allez faire un tour sur leur Instagram et il est trop beau parce que du coup, bah ils mettent des photos avec le pull qui s'allume. T'as compris, pas besoin de répéter. Et donc là je vais vous présenter deux sweats à capuche. Donc les deux sweats que je vais vous présenter sont à 79 euros. Alors le premier il est orange parce que j'aime beaucoup l'orange. Le fait que les trucs soient réfléchissants, c'est très beau. Et en plus sur Instagram, je te mens pas, ça va faire du like. Voilà, je le trouve vraiment beau, la couleur est belle. Et ensuite donc c'est le même mais en jaune. J'aime bien cette couleur, je le trouve vraiment beau. T'as vu, il y a juste le prix, bah je le trouve moins beau. Donc voilà, je vous ai présenté les deux pièces que j'aimais vraiment bien sur leur site. Je vous ai pas dit, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez des sweats. En fait le seul problème de ces trois marques, c'est que ce soit vraiment cher parce que c'est vraiment beau. Mais voilà, moi je sais que je les suis sur Instagram et je trouve vraiment que leurs pièces sont jolies. Donc ensuite on passe à une marque beaucoup moins chère. Les sweats sont à 30 euros. Et en fait cette marque m'a contacté sur ma page Facebook. On a créé notre marque. Et voilà, donc si t'aimes, si tu pouvais faire de la pub ou en parler dans une de tes vidéos, ce serait super sympa et tout ça. Et donc je suis allé voir et j'ai trouvé ça très beau. Donc c'est deux sweats, donc un blanc et un noir pour l'instant. Et en fait ce que j'ai trouvé vraiment original c'est le derrière. En fait c'est un crâne et je le trouve vraiment beau. Et c'est tout de suite moins cher, donc le sweat comme je vous ai dit il est à 30 euros. Ce qui fait vraiment le côté original de ces sweats, c'est l'écriture derrière. Alors par contre en gros ça pour payer, en fait c'est par PayPal. En gros tu les envoies un message sur Instagram et en gros ils t'envoient leur truc PayPal. Et il y a des frais de port, mais en fait ils sont pas fixés, ça dépend de l'endroit de la France ou de l'endroit du monde. Je sais pas s'ils livrent autre part que en France, ça je sais pas du tout, désolé. Mais donc voilà, je leur donne un petit coup de pouce.
pouce. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur leur Instagram. Donc du coup je vous donne pas leur site parce que leur Instagram est aussi leur site du coup. En tout cas j'aime vraiment beaucoup les deux Switch, ils sont très simples mais très beaux. Et le côté original t'as vu. Et voilà. Alors ensuite la marque je pense que vous y attendez. Donc c'est une marque connue, c'est Reclaim Vintage. Donc que tu peux commander uniquement sur Asos puisque c'est une exclusivité Asos. Je la trouve vraiment belle en fait, leur pull je la trouve vraiment beau, ils sont de qualité. Voilà. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit sous une de mes vidéos, ouais tu dis vraiment de la merde, la qualité elle est pourrie et tout ça. Moi je trouve pas. Tu vois quand j'achète le Switch, bien évidemment j'attends la qualité mais c'est surtout le Switch en lui-même en fait que j'aime bien. Donc comme le nom l'indique en fait c'est plutôt des trucs vintage. Vous savez des coupes vintage. Je vous mets les liens, donc allez faire un tour si vous voulez. Et donc les t-shirts vont de 10 à 40 euros et les Switch vont de 30 à 80 euros. Donc pour l'instant je vais vous présenter deux pièces que j'aime bien. La première pièce donc c'est un Switch vert que j'aime beaucoup mais qui est en rupture de stock bien évidemment parce que je pense que vous le savez si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos mais les pièces Reclaim Vintage sont souvent en rupture de stock sur Asos. Donc voilà on s'adapte. La coupe est belle et il coûte il me semble 37,99 mais en ce moment il est en promotion mais il est en rupture de stock donc de toute façon voilà. Et donc le prochain truc c'est un sweat à capuche vert aussi qui coûte 47,99€ et devinez quoi il est en rupture de stock mais en tout cas il est vraiment beau et j'aime beaucoup le vert. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Donc voilà j'espère vraiment que je vous ai fait découvrir des marques. Ah oui et aussi je vais vous prévenir que sur Asos il y a un code promo donc c'est le 10cool que vous enlève moins 10% sur votre commande. Je vous dis ça parce que moi hier j'ai commandé. Donc on se retrouve dimanche prochain à 16h, salut. Situation how you want. The loving that you claim is just a four letter word. The third letter's enlightened, so visualize the curve. Your curve don't mean when you're handling the candelabra. So you're sitting on a big grand, transmitting.